Angers 20e accueille Lyon 9e. L'Olympique lyonnais sur une défaite après deux victoires. Une petite rechute pour l'équipe de Laurent Blanc. Malogusto, Tolisso et Lacazette manquent à l'appel. Parkola est titulaire avec Cherki et Dembélé. Pour essayer de remporter ce match sur le terrain du dernier du championnat, Angers n'a pris que 2 points sur les 3 derniers matchs. Et l'opération maintien paraît désormais très compliquée. Blažić est suspendu pour cette partie. Benteleb, Nian, Salama et Sima sont titulaires pour le SCO. La première possibilité pour les Angevins. Mais ça passe largement à côté du cadre. La tentative d'Ibrahim Nian n'est pas récompensée. Une occasion pour l'Olympique lyonnais. Le coup franc superbe de Thiago Mendes. Il a fallu attendre la 38e minute pour avoir un ballon tranchant de l'OL. Et ça termine dedans. Le premier but de la saison pour le joueur brésilien. Thiago Mendes efficace. Et Lyon mène 1-0 sur le terrain d'Angers. C'était le but qu'il fallait pour les visiteurs. Ils essayent même dans la foulée d'en mettre un autre, mais n'y parviennent pas. 1-0 pour l'OL à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Angers essaye bien de se relancer, mais n'y parvient pas. Lyon procède à quelques changements. Jeffinho arrive sur le terrain, tout comme Amin Sarr. Les recrues du mercato hivernal veulent se montrer. Et Angers profite de ce moment de flottement pour attaquer et être proche d'égaliser. L'angle était tout de même fermé pour Salama. Il bute sur Anthony Lopez, solide. Lyon s'est un petit peu fait peur sur cette action. Le chronomètre tourne néanmoins en faveur de l'OL. Nouvelle possibilité avec cette touche rapidement jouée vers Cacré au premier poteau. La reprise d'Amin Sarr. La recrue suédoise du mercato d'hiver marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 2-0 pour Lyon à 10 minutes de la fin. Le break est fait pour l'OL. Pourtant, les joueurs de Laurent Blanc ne sont pas encore tout à fait sereins, car le SCO a le mérite de ne pas abandonner. Et sur cette erreur de Lovren, le ballon est bien récupéré par Abdallah Sima pour une réduction de l'écart à la 87e minute. Le 3e but de la saison pour le joueur sénégalais. Malgré toute son expérience, l'international croate manque complètement sa passe, elle est beaucoup trop molle. Et Sima devance Lopez pour mettre le but de l'espoir. Angers insiste ensuite pour essayer d'égaliser et prendre au moins un point dans ce match, pour essayer de reprendre le moral. Mais les Angevins n'y parviennent pas. Et en toute fin de partie, il y a ce long ballon pour Lyon. Les Angevins ne parviennent pas à se dégager. Parkola récupère et conclut l'action. Dans un premier temps, le drapeau se lève et le but est refusé. Mais l'arbitre est appelé par l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et finalement valide le but, le 2e de la saison pour Bradley Parkola. Il n'y avait pas de hors-jeu au départ de l'action. Et Lyon se détache définitivement en fin de rencontre. Victoire de l'Olympique lyonnais sur un score de 3-1 sur le terrain d'Angers.